Et je vous le disais, on va se concentrer aujourd'hui sur les groupes A et B. Ça veut dire qu'on va rester à Abidjan, entre les deux stades de la ville. On commence avec le groupe A qui se jouera essentiellement au stade olympique Alassane Ouattara, surnommé stade Elimpe pour le quartier où il a été érigé. Et notez que l'un des six matchs de ce groupe, celui dans la dernière journée, se jouera au stade Félix Houphouët-Boigny. Le voici aussi connu sous le nom de Félicia, bien évidemment. Guy, ce sont deux enceintes remarquables. La taille et la modernité pour Elimpe, le prestige et l'histoire pour le Félicia. Oui, exactement. Le Félicia, c'est le stade dans lequel nous avons évolué avec la sélection, la génération dorée. Donc, c'est bien d'avoir mis un petit coup de jeune pour cet événement. Et puis, on a vu aussi sortir de terre ce beau stade d'Elimpe. Donc, vous avez joué au Félicia, mais pas à Elimpe, quoi. Ah non. On organise un truc. Non, pas encore. Peut-être si on organise. Rien n'est perdu. Ah oui. Allez, voici donc les équipes de ce groupe A. La Côte d'Ivoire, évidemment, le Nigeria, la Guinée équatoriale et la Guinée-Bissau. Claude, qu'est-ce qu'on peut dire globalement sur ce groupe? Il y a quoi? Il y a deux grands favoris et un outsider? C'est comme ça qu'on peut le voir? Oui. Côte d'Ivoire, Nigeria et après l'outsider. Lequel est-ce? C'est la question. Guinée, Guinée équatoriale, Guinée-Bissau. On peut penser que sur la permanence des résultats, quand même, au niveau que la Guinée équatoriale est un petit ton au-dessus, mais ouais. La Guinée-Bissau se qualifie souvent depuis quelques années. Donc, ça va jouer sur cette troisième place qui ne sera pas forcément qualificative. C'est 6 sur 8, c'est ça hein? Ouais. Non, 4 sur 6. Les 4 meilleurs troisièmes sur 6 groupes. C'est ça. Je n'ai pas fait maths au bac, il faut le savoir quand même. Ça va se comprendre. Nabil, ça n'est qu'un premier tour, mais quand on regarde les pays qui sont en lice, on sait déjà que ça peut nous offrir des affiches intéressantes. Bah pour moi, de toute façon, l'affiche la plus excitante de ce premier tour sur le papier et j'espère sur le terrain, la plus prestigieuse, la plus puissante, j'ai envie de dire, c'est Côte d'Ivoire-Nigéria. Ouais. On prend toutes les poules. Tout groupe confondu, si on me demande de mettre un match numéro un, pour moi, c'est Côte d'Ivoire-Nigéria tous les jours. Voilà, pour plein de raisons. La Côte d'Ivoire à domicile, le Nigeria avec sa fantastique escouade offensive et notamment le meilleur joueur africain de l'année, Victor Osimhen. Donc moi, c'est un match vraiment que j'attends avec impatience. Allez, on entre dans le détail avec la Côte d'Ivoire, dont voici l'historique à la CAN. 25 participations, ce sera la 25e. Deux titres en 1992 et 2015. Lors de la dernière édition au Cameroun, les éléphants ont été éliminés en demi-finale par l'Égypte au tir au but. Guy, c'était une contre-performance pour les éléphants qui avaient atteint les quarts de finale en 2019. J'ai dit demi-finale, mais c'est pas du tout ça. Vous l'avez rectifié vous-même. Donc, contre-performance au Cameroun? Oui, bien évidemment. Ça a été une contre-performance lors de la CAN au Cameroun. Donc, il va falloir, sur celle-ci en tout cas, essayer déjà d'aller un peu plus loin. Ça a été une contre-performance dans le résultat final, la sortie un peu prématurée, mais aussi dans le contenu, dans ce que l'équipe a proposé. Il n'y a qu'un seul match qui me vient en tête, Nabil, c'est lequel. Mais sinon, vraiment, les prestations n'étaient pas très... très bonne. Donc avec cette compétition à domicile et les derniers résultats, on espère que on pourra atteindre notre objectif. La pression d'une compétition à domicile, elle est forcément positive ou est-ce que ça peut être inhibant? Ça peut être plus qu'inhibant, surtout que... Paralysant. Non, mais déjà, il reste sur une contre-performance. Il l'a dit, Guy, après, je pense qu'ils sont tombés contre le mauvais adversaire, parce que je pense que le temps jouait pour eux, mais malheureusement, ils sont tombés sur l'Égypte. Ouais. Et quand je joue l'Égypte, on n'a pas le temps. Et souvent, on a des regrets. Je pense que c'est inhibant, ça peut être inhibant, mais la chance qu'ils ont, c'est qu'il y a encore quelques mois, on était quand même très sceptiques par rapport au niveau des éléphants. Il faut être honnête, une campagne, enfin, c'est pas une campagne parce qu'ils étaient déjà qualifiés, mais des matchs qui n'étaient pas forcément aboutis, une équipe type qui avait du mal à se dessiner. Du coup, j'ai eu l'impression quand même qu'il y avait plus de scepticisme que d'envie d'aller gagner cette CAN. Et du coup, là, il y a plutôt de la bienveillance envers l'équipe. Ouais. Et puis, je trouve qu'en termes de timing, sportivement, ça y est, il y a une équipe qui se dessine. Les dernières sorties sont plutôt positives. Donc, je pense qu'en termes de timing, tous les feux sont ouverts et que c'est plutôt la pression positive, pour le coup, à quelques jours. Quelques encablures, effectivement, du match d'ouverture pour cette Côte d'Ivoire. Donc, Claude, vous en avez connu des vestiaires. Est-ce que celui-ci vous semble en harmonie?
Oui, parce qu'ils ont, un entraîneur harmonieux. Là. Jean-Louis Gasset. La qualité d'un entraîneur, c'est d'être entraînant, disait Michel Hidalgo. Pourquoi pas. Et c'est sa qualité à lui, c'est qu'il s'est gardé beaucoup de sang-froid, beaucoup de recul, il a tellement bourlingué, mais c'est un vrai type bien, c'est quelqu'un de chouette, c'est quelqu'un d'authentique. Donc les joueurs ressentent ça très facilement. Et ils le suivent volontiers. Il n'y a jamais d'embrouille avec lui. On jette un œil sur ce à quoi pourrait ressembler justement le 11 type de Jean-Louis Gasset Fofana dans les buts, une défense centrale avec Ndika et Diomandé, Konan à gauche, Aurier à droite, un milieu assez costaud évidemment avec Sangaré, Kessier, Fofana et une attaque où l'on pourrait associer, on parle bien sûr au conditionnel, Jonathan Bamba, Sébastien Haller et Adin Gra. Est-ce que c'est cohérent par rapport à ce que vous imaginez, Guy? Oui, c'est cohérent. Par rapport à ce qui se dessine sur les dernières rencontres, après, bien évidemment, il y a certains noms, comme Wilfried Zaha, comme Nicolas Pépé et autres. Donc qu'on pourrait ajouter. Mais si on sort des dernières rencontres et des forces, on a vu sur la charnière centrale, ça a récemment d'être ça. À Dengra, je pense j'espère qu'il va évoluer en tant que titulaire. Peut-être un petit doute sur du côté de Bamba, qui a fait des bonnes prestations, mais il y a aussi Jérémy Boga qui est là, qui sort aussi des matchs intéressants, que ce soit avec son club ou lors de ses entrées, ses prestations avec la sélection. Donc oui, je pense qu'elle va sensiblement... Interrogation sur Singo également. Singo aussi. Titulaire ou pas? Titulaire ou pas. On met où? On le met où? Parce qu'il y a quand même Serge. Il y a Serge avec Capi qui est là à droite. Il y a le Capi qui est là. Donc c'est pour ça que j'ai parlé, moi, tout au long de cette campagne, entre guillemets, je parlais de peut-être essayer d'autres systèmes, d'autres systèmes pour pouvoir peut-être répondre à des problématiques qui pourraient se venir tout au long de la compétition. Une sélection performante, c'est ça. Hein, c'est une équipe type, mais quand même 14-15 joueurs qui peuvent évoluer. On sait que il ne peut pas y en avoir 23. Non, mais tu en as 17. C'est rare d'avoir une sélection où les 23, il faut que chacun connaisse son rôle. On a vu Gradel, c'est fantastique de voir un ancien comme ça avoir ses discours. On parlait d'un entraîneur, mais il faut qu'il y ait des guides aussi à l'intérieur de l'équipe. Et voilà, chacun a son rôle. Il n'est pas forcément titulaire au départ, mais tu as parlé de Singo, on a parlé d'autres joueurs. Il faut que tout le monde se sente concerné, mais chacun à son niveau. Zaha, Pépé, c'est du virtuel pour le moment, parce qu'il y a longtemps qu'ils n'ont plus été éblouissants, malgré leur talent incroyable. Le Pépé de Lille, où est-il passé? Le Zad, il y a deux saisons. Et le Sébastien Haller de Dortmund, où est-il passé? C'est aussi une des petites inquiétudes du moment, évidemment. Le buteur attitré des éléphants ne joue que très, très, très peu des bouts de match. Hein. Les fins de match, peut-être, avec le Borussia Dortmund. Est-ce que ça peut affecter sa compétitivité? Évidemment, on sait qu'il a traversé des épreuves compliquées. Il est revenu et c'était déjà extraordinaire. Peut-être qu'il subit un contre-coup. Je pense que ça doit être pas si simple que ça. Et c'est quand même un joueur... important par son état d'esprit, par son profil. Et vous savez, l'équipe, je prends l'exemple de l'équipe de France, à plusieurs reprises, ils ont eu un numéro 9 qui n'a pas forcément marqué des buts en tournoi final. Oui. Guy Varche, Giroud et les autres autour. Et ça manque pas de qualité, notamment en Côte d'Ivoire. Eux peuvent être décisifs. Enfin, je dis pas qu'ils ne peuvent pas marquer de buts, mais évidemment, c'est une interrogation. Et ensuite, vous parliez tout à l'heure des noms qui sont cités depuis tout à l'heure. La chance quand même de la Côte d'Ivoire, c'est d'avoir une profondeur de banc. Donc la possibilité aussi d'apporter d'autres variations et de faire jouer d'autres joueurs. Un garçon en pointe comme ça, est-ce qu'il y en a autant que ça dans l'effectif de Jean-Louis Gasset? Après, il y a le jeune Konaté, aussi Kwame, il peut le faire. Il y a Kwame aussi qui peut jouer, qui a évolué aussi dans ce registre-là, mais je pense que par sa palette et son profil, il est quand même en avance à ce poste. Sébastien Haller pour être titulaire. On voit aussi la confiance du sélectionneur. Justement, on va l'écouter, Jean-Louis Gasset, qui garde sa confiance. Vous avez raison d'anticiper sur cette interview qu'on va écouter tout de suite, la confiance de Jean-Louis Gasset en Sébastien Haller. On l'écoute au micro de Lilian Gatoun. Je lui ai donné 5 semaines de vacances. Je ne l'ai pas pris en juin en Zambie. J'ai été critiqué. Ça ne me dérange pas. Moi, mon objectif, il est le plus loin. D'accord ? J'estimais qu'après la saison qu'il venait de vivre et le traitement qu'il subissait encore, il méritait d'avoir 5 semaines de vacances pour revenir comme une fleur. Mais moi, je veux être sa bouée d'oxygène. Il va retrouver de l'air avec nous. Je ne vais pas le lâcher maintenant. Il a besoin de moi.
Il a besoin de moi. Et moi, j'ai besoin de lui. C'est un joueur majeur pour moi. Et c'est un homme majeur pour moi. C'est fort ce qu'il dit. Hein. Je vais lui donner de l'air. Ah, ben c'est clair, c'est Jean-Louis. Quoi. Il a raison. Puis là, c'est vraiment ce qu'il ressent. Il sait très bien que la confiance, le capital confiance qu'il va investir dans Haller, il va lui rendre au centuple. Parce que c'est sa façon, Jean-Louis, de fonctionner. C'est que les joueurs sachent que son discours, il ne tient pas un discours avec Vincent Raduro, puis un autre avec le président de la Fédération ivoirienne, puis un autre avec un ministre. Il reste toujours cohérent. Et les joueurs ont besoin de sentir ça. Et je suis sûr que Haller va être prêt dès le début de la compétition. Bien qu'il ait si peu joué, effectivement. Bien qu'il ait si peu joué. Pour moi, c'est un poste où c'est moins important. Si c'est un joueur de couloir, si c'est un milieu de terrain. Exactement. Il faut du rythme, il faut enchaîner les minutes. Là, c'est surtout la confiance. C'est un poste où la confiance est presque aussi importante que le physique. Ah oui, les qualités, il l'a. Et puis, c'est vrai que c'est quand même un secteur un petit peu moins fourni que les côtés ou le milieu de terrain ou la défense centrale. Ouais, et comme l'a dit Jean-Louis Gasset, il aura besoin de lui quand même. Donc c'est une responsabilité que de lui avoir offert ses vacances et que de lui faire confiance. Il faut la rendre, cette confiance. Effectivement. Bon, je vous ai entendu souvent, notamment dans les grandes bouches, vous en faites votre grand favori de la Côte d'Ivoire. Non, je retire rien. Parce que justement, il y a cette profondeur d'effectifs incroyable. Ouais, puis je pense que de toute façon sur le papier c'est impressionnant, et s'ils ajoutent le supplément d'âme, l'union sacrée, si Gasset leur apporte ça, parce que souvent quand je regarde la Côte d'Ivoire, pour moi c'est un grand pays avec des grands footballeurs. Fort avec les forts, mais parfois pas constant et moins bon contre les faibles, entre guillemets. Hein. Et là, j'ai l'impression qu'ils n'auront pas le choix. C'est-à-dire que là, on ne peut pas trahir. Quoi. Là, c'est le maillot national. La compétition, elle est au pays. Il y a une logique de groupe qui se dessine. Il y a des options à tous les postes. Quand je vois leur milieu de terrain, ce n'est pas classe continentale, c'est classe mondiale. Je veux dire, je suis désolé, quand je vois Sangaré, Kessier, et Seko Fofana, je l'ai déjà dit, il y a des sélections européennes ou sud-américaines qui n'ont pas un milieu de terrain de ce niveau-là. Après, les complémentarités et tout, moi je ne suis pas coach, mais en tout cas, s'ils décident de collaborer ensemble, franchement, ils ont tous les atouts pour aller au bout. Alors après, une compétition, évidemment, si tu tombes contre l'Égypte et ils t'emmènent jusqu'à la 120e minute et ils t'écœurent, bon, bah, ça arrive, c'est l'histoire d'un tournoi. Ouais. Mais concrètement, pour moi, c'est dernier carré tous les jours, quoi. Donc, qu'est-ce qu'il en dit, l'Ivoirien, sur ce plateau? Est-ce qu'il est confiant pour sa sélection? Ah, il vient de finir par le dernier carré. Donc, dernier carré, non, c'est l'objectif. Ouais. C'est l'objectif, le dernier carré? C'est le premier objectif. À domicile. C'est petite ambition, ça. Ah, je suis d'accord. Non, c'est pas une petite ambition. Ils savent très bien ce qu'ils font. Vincent, au fond de moi, bien évidemment. L'objectif, c'est d'être champion, non? C'est d'être champion. Je veux qu'elle reste là-bas. Je veux qu'elle reste là-bas. Mais c'est le foot, quoi. Si Gasset s'arrête en demi-finale avec la sélection, je pense qu'il aura rempli les engagements qu'il a avec la FIFA. D'accord. On sait très bien que c'est difficile de gagner la compétition à domicile. Il y a très peu de nations qui ont pu le faire. Oui. Ouais. Voilà. Donc dire qu'on va la gagner chez nous quand on voit les dernières années, je pense qu'il faut quand même être assez modéré. Vous dites pas rendez-vous le 11 février. Pardon ? On est des compétiteurs. De toute façon, toutes les personnes ici, on est tous des compétiteurs. Quand on rentre sur un terrain, on veut gagner. Donc forcément, logiquement, c'est la victoire finale. Mais demi-finale, ça sera déjà un très bon match. Il y a toujours ce rappel douloureux de 84, quand ils sont organisés. Là. Voilà, et que c'est le cas. Leur Coupe d'Afrique. Très bien, c'est noté, cette ambition. Et pour la mesurer, on l'a bien entendu. Dans environ 2 semaines, on va vivre la CAN, les amis. Dans environ 2 semaines, la CAN commence. Alors toi, et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de la CAN, on va parler du groupe A. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici, nous, on parle de foot. Ici, nous, on est passionné par le foot. Donc, si tu es intéressé par la thématique, si la thématique te parle, n'hésite pas à t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de prochaines vidéos. Si c'est fait, on est parti. Alors, les amis, d'environ 2 semaines, la CAN va débuter. D'environ 2 semaines, la grande messe du foot commence. On va vivre la fête du foot africain. D'environ 2 semaines, les gars. Ça va faire un mois de bonheur. On va vivre un mois de bonheur ensemble dans cette compétition, les amis. La CAN va débuter le 13 janvier. La Côte d'Ivoire va ouvrir le bal. Justement, on va parler du groupe A, le groupe de la Côte d'Ivoire, les gars. Franchement, dans ce groupe, je rappelle le groupe, c'est un groupe constitué de la Côte d'Ivoire, Nigeria, Guinée équatoriale et Guinée-Bissau. Dans ce groupe, les amis, je vois 2 équipes se dégager, à savoir la Côte d'Ivoire et le Nigeria. Mais attention, tu as la Guinée équatoriale qui est une équipe très joueuse, très difficile à manœuvrer, très difficile à battre. Donc,
si la Côte d'Ivoire et le Nigeria pensent que c'est des points gagnés d'avance, ils se trompent lourdement. Ils se trompent lourdement. C'est une équipe qui peut embêter tout le monde. Cette équipe peut embêter tout le monde. Donc, s'ils pensent que c'est des matchs, c'est un match gagné d'avance, franchement, ça peut vraiment leur réserver une grosse surprise. Une très grosse surprise même. Donc, attention à la Guinée équatoriale qui peut causer des problèmes à tout le monde. J'ai également la Guinée-Bissau. La Guinée-Bissau, si elle s'est qualifiée, c'est un peu au hasard. Ça signifie qu'elle aussi, c'est une équipe qui a des arguments aussi à faire valoir. Donc, attention, il ne faut pas prendre une équipe à la légère. Il faut être concentré dans tous les matchs. Tous les matchs doivent être des matchs comme des finales. Ils doivent jouer des matchs comme des finales. Pour moi, la première place va se jouer entre Côte d'Ivoire et Nigeria, surtout la Côte d'Ivoire. Moi, je vois la Côte d'Ivoire finir premier de la poule parce que la Côte d'Ivoire joue à domicile. La Côte d'Ivoire va jouer devant son public, devant son président et tout. La Côte d'Ivoire a un effectif qui monte en puissance. Ils ont un coach qui est en train de trouver la bonne formule. Donc, je ne serais pas surpris de voir la Côte d'Ivoire vraiment faire des trucs incroyables dans cette CAN. Parce que, autant il y a de cela 5 mois, personne n'aurait mis une pièce sur la Côte d'Ivoire en disant que la Côte d'Ivoire peut arriver en demi-finale. Autant, ça devient l'un des grands favoris pour remporter cette compétition. Selon Nabil Djellit, le franco-algérien, pour lui, la Côte d'Ivoire, c'est le grand favori pour remporter la compétition. C'est le grand favori selon lui. Donc, la Côte d'Ivoire, c'est une équipe à prendre très au sérieux. C'est une équipe à suivre. Ensuite, il y a le Nigeria. Le Nigeria, pour moi, c'est une équipe déséquilibrée. Autant en attaque, ils ont vraiment une attaque de monstre avec les Victor Osimhen et Boniface, j'en passe. Mais plus on descend, plus ça commence à être inquiétant. Ils n'ont pas de milieu de terrain, ils n'ont pas de défense. Bref, c'est une équipe qui a seulement l'attaque. C'est une équipe qui a seulement l'attaque, les amis, le Nigeria. Donc, est-ce que tu peux remporter une compétition avec seulement l'attaque? Je ne pense pas. À un moment donné, il te faut un peu d'équilibre. Il te faut avoir un effectif équilibré. Et le Nigeria n'a pas un effectif équilibré. Pour moi, c'est une équipe qui a trop d'attaquants. Trop d'attaquants. Il y a même certains attaquants qui vont rester à la maison, qui pourront être titulaires dans toutes les sélections africaines, sauf au Nigeria, parce qu'au Nigeria, tu as déjà trop de talents offensifs, notamment les avant-centres purs. Je l'ai dit, tu as Victor Osimhen, ballon d'or africain, tu as Boniface qui brille en Allemagne. Donc, le Nigeria a vraiment un potentiel, un secteur offensif bien gagné. Après, comme je l'ai dit, plus tu descends, plus ça devient déséquilibré. Je ne parle même plus en défense. En défense, c'est très moyenne, pour ne pas dire mauvaise. Donc, moi, je vois la Côte d'Ivoire sortir premier de cette poule. Ensuite, le Nigeria. Mais attention, la Guinée équatoriale. La Guinée peut vraiment donner du fil à retordre à n'importe qui là-bas. Je répète, parce que je sais de quoi cette équipe est capable, la Guinée équatoriale. Mais si les choses se passent bien, pour moi, la Côte d'Ivoire sort premier de la poule. Parce que vu ce que la Côte d'Ivoire démontre là, avec l'effectif qu'ils ont, c'est du très très lourd. Après, partage-moi ton ressenti en commentaire sur cette poule. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. On se dit à très bientôt pour une autre vidéo, les amis. Ciao, ciao.